Inos B, l'artiste qui fait la fierté de la musique africaine, il a prouvé au monde qu'il est parmi les meilleurs artistes du moment qu'il faut parler de la musique africaine sur l'échiquier international. Aujourd'hui, Inos B n'est plus compté parmi les artistes internationaux, mais il est un artiste mondial. Il est connu sur tous les quatre coins du globe terrestre. Alors, mouton naza kolobela lelo boyebi ba énergie scénique naye, boyebi ba savoir-faire naye. Depuis sortie toloba international, il y a artiste Nabiso Inosbi, depuis a comme musicien, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Alinga kite atikala naba ordinaire, alors ayelaki biso Afro-Congo pona ko se positionner na kati ya makambu oyo toza kobenga extraordinaire na musique na biso ya Congo, surtout africaine. Soki mutu abimi toza kobima kaka na style ya ba Nigeria, baza koya na ba Afrobeat. Biso ba Congolais po musicien abima, il faut aya kaka soit na générique soit na rumba, wana eza biloko toza kobenga na mboka na biso babiloko moko ordinaire. Mais il fallait qu'un jeune leader venu de l'Est du Congo ait à comprendre que pour percer dans la musique aujourd'hui, il ne faut pas qu'on mette ma ordinaire. Il faut que ça ait une qualité moko exceptionnelle. Ba makambu oyo bato ba meseni koyokate. Yango tomoni Inosbi oya koyela biso la musique moko ordinaire. Il est sorti de l'ordinaire pour nakopé sa biso loko moko extraordinaire. Otoza ko benga de lelo Afro Congo. Afro-Congo, il y a à peu près 8 à 10 ans, on a Koloba, depuis qu'il s'est imposé vraiment valablement dans le monde de la musique africaine. Ce qui bouquait les lots dans le monde de la Nigeria, c'est que tu Afro-Congo. Pour imposer Afro-Congo, il fallait azala na constance moko boye, azala na constance. Il ne faut pas koma lelo aza boye lobi aza kuna, bien que aza multicolore, il peut jongler dans la rumba, il peut jongler dans le rap, mais avec Afro Congo il a su capitaliser yango na chaque fois aza kobimisa banzembo soka bimisi mibale, mais moko kozala toujours na rythme Afro Congo. Preuve tomoni depuis sorti na ye ayaki na nzembo lokola Pola. Pola ezalaki vraiment ponanga, ezalaki la meilleure façon ya kolakisa biso ba style ba qualité artistique oyo Inosbi aza komemela biso na musique na biso, ezalaki na quelque chose de particularité. Biso tozai kozela tamusu Inosbi akomemela biso banzembo lokola ba rumba, non, mais il nous a amené quelque chose ko o tozana ngona on ne s'habitue pas à ça. Depuis Pola wana il est venu avec Koffi Olomide et Elengi ya Mbongo. Rythme lisusu wana aza ko imposer kaka ba rythme oyo tomeseni na ngote. Aye avec Wera Son Eloko. Rythme oyo tomeseni na ngote. Donc Inosbi il a si canalisé son savoir-faire à dehors de l'ordinaire. Yango toza ko benga ye musicien oyo aza na vision, musicien oyo aza na il a bien su canaliser musique inaé art inaé. Ce qui l'autre osa kolobela Inosbi, c'est parce que il a un savoir, il a de l'intelligence. Et puis nandenge batu nyonso ya génération ne baza comme ma musique tozo mona différence entre bango naye. Inosbi a toujours fait quelque chose de différent. Et puis à part la différence, Inosbi baza comme ma musique nandenge ya Afro Congo international, Inosbi aza koyela biso message na chaque fois aza kobimisa nzembo, par exemple ba nzembo ya ba Afro Congo, nzembo nyonso depuis toyebi Pola, Elengi ya Mbongo, Eloko ayeli biso epe na ye ya liboso oyo ezalaki na ba top model, ezalaki kozobeta mabe, boyoki ba nzembo lokola mobulo mobulo, aza toujours kolakisa biso ke a part rumba na ba générique ope imposer également à la musique africaine quelque chose de nouveau. Inosbi a imposé Afro-Congo naye eloko ya sika.
bien que ils ont été difficiles pour Batouba à assumer, à accepter Nzembouana, il a été constant, il a été toujours dans l'idée, dans l'idéologie d'imposer quelque chose de nouveau, d'aller vers l'extraordinaire. Les lots sont tous lobela Afro Congo, tous lobela Inosbi, sont tous lobela Inosbi, tous lobela Afro Congo. Ça c'est un apport savoir oh Inosbi Azanango. Lelo soto za ko loba Inosbi azako kende ba na ba dimension mondiale lelo nga na benga ka Inosbi musicien international été nga na benga ka e mondial parce que international ko kozala na braza déjà comme international di Congo ke na Angola aux international mais kozala mondial il faut kozala na ba capacité ya ko beta musique oyo ozoyo ozozwa ba réponse nango à travers ba océan oké na Australie baza koyoka yo. Et puis, pas seulement dans votre communauté, mais dans quatre communautés à Tumisus. Par preuve, je vous ai dit la CT, c'est un album qui a été écouté écouté partout. Même aux États-Unis, dans le stade de basketball, dans le stade de basketball, dans le NBA aux États-Unis, dans le stade de basketball. À part ça, il y a en Hollande. Hollande également, c'est une chose qui était venue avec. Avec une suprématie inexplicable et y a qui ko imposer sika ko faire ko imposer ko tia ba valeur nyoso auto ebi ya musique ya Inosbi sur l'échiquier mondial sika soki tozongi soki tozongi sika na ndenge ya epe calcul ikomi ko beta ma déjà na ba Turquie bomoni na ba États-Unis baza ko beta et ona eza sika ba challenge ya communauté té. La challenge communautaire. Quand je parle de Inosbi, je parle de challenge mondial. On ne parle pas de challenge à Batu Braza, je ne parle pas de challenge à Batu Angola ou bien ce qui a wapi. On a challenge à Batu continent Moussous. Continent pe, eza ba noir ya continent wanate, mais eza ko yana ba race Moussous. Ba challenge Moussous, Batu Baza ko binango parce que tout ça l'ango pour na koluka visibilité mais eza na ba challenge eza naturel ya Inosbi eza naturel eza te ki aza ko benga batu pour ba salele ba challenge mais o eza ba challenge naturel à partir ya ba nzembo o eza ko pesa ba capacité artistique o eza ko lakisa na kati ya musique ba message eza ko pesa yango tozomona ba place oyo Inosbi baza aza ko kende ti na niveau États-Unis ba star minene lokola ba Nicki Minaj baza ko lobela kombo ya Inosbi ba star lokola ba banani ba Rick Ross baza ko lobela Inosbi oké na Asie ba star Australie bazo lobela kombo ya Inosbi. Inosbi le seul musicien oyo azao le kana ba radio ya Australie, seul musicien congolais le ka na nani ya Australie. C'est le musicien qui est multilangage, il peut parler français, anglais, swahili, lingala. Il est capable ya okene na ba plateau nyonso ya monde à s'exprimer, à représenter Congo. Quand il parle, il est à ce solo là, makambo ya Congo, pour sentir que il y a quelqu'un qui a vraiment l'esprit de change, du changement. Na kati ya jeunesse, na kati ya politicien, na kati ya makambo nyo za koleka na Congo. Un musicien qui a le talent nyo, aza na ba qualité nyo so artistique. So bo memie na rumba, azo beta rumba bien. Nzembo lokola chantier, c'est une chanson qui cartonne. Nzembo lokola mire, pour nanga na ba rumba ya Inosbi na sepelaka na mire. C'est une très belle chanson, qualité artistique, nango bien message qui toko. En tout cas, moi j'aime la rumba là. Mais surtout au côté na côté dimension rumba, Inosbi il s'exprime bien. Surtout yé na nini na biloko lokola ba rap, il a chanté Naomi Campbell, il a rappé dans la chanson là. Il a été avec Damso dans une de très belle chanson également qu'on appelle Best, où Inosbi nous a prouvé ses qualités artistiques sur les points. Il y a monde en rap, il a été là, on l'a écouté, on a apprécié cela, mais malheureusement ces derniers temps, communauté congolaise, les youtubeurs congolaises ont tout fait pour étouffer les valeurs artistiques de Inosbi. Bien qu'il fait de la bonne musique, de la bonne qualité de la musique, bien qu'il ait de tous les atouts qu'il faut pour sauver la musique congolaise, les youtubeurs congolais, ils sont tous je ne sais pas si ce sont tous attendus pour promouvoir seulement certains artistes au détriment de Inosbi. Heureusement, soit heureusement, je peux dire encore heureusement, le monde évolue autrement.
Il y a les gens qui s'élèvent aujourd'hui pour défendre la valeur artistique de Inosbi. Il y a beaucoup de monde qui s'élève aujourd'hui pour promouvoir la musique de Inosbi. Aujourd'hui, Inosbi est devenu il est devenu l'un des symboles emblématiques des musiciens qui défendent la patrie congolaise, qui défendent la musique africaine. On ne peut pas passer aujourd'hui à 2-4 musiciens africains sans autant parler de Inosbi. Alors bravo à Inosbi, bravo à EP Culture, c'est un album mini album qui se vend bien, qui a déjà plus de beaucoup de streaming. Le seul album depuis qu'on a connu les albums au Congo avec plus de 400 000 challenges sur les TikTok. Encore le TikTok, pas seulement le TikTok congolais, mais les influenceurs du monde entier, de partout dans le monde, sont en train de s'enjailler avec des mêmes mélodies, de la mélodie de CT. Alors, le tour, il va faire un tour mondial. Il sera aux États-Unis, il sera en Allemagne, donc en Europe, entier, il sera là à peu près dans 4 pays de l'Europe, il sera en Asie, il sera au Canada. Donc c'est le seul musicien dans 2 mois, il va faire tour du monde dans 2 mois. Donc c'est un musicien auquel il faut vraiment prêter attention. Il sera sur le même podium avec Nicki Minaj, les artistes comme Asake et beaucoup d'autres musiciens ici au Portugal dans le mois, au mois de juillet. Alors vous qui êtes au Portugal, vous qui êtes en Europe et qui avait besoin de soutenir la bonne musique, Inosbi sera dans votre porte, il sera là pour vous aiguiller, pour vous donner de la bonne musique. Alors apprêtez-vous, achetez vos billets, allez écouter Afro Congo, des chansons comme CT, vous allez les voir, écouter à live, et vous allez bien, vous allez s'engomingi. Donc c'est un musicien d'abord qui sait comment communiquer, comment communiquer dans le public. Il y a un musicien qui a une capacité, il y a un podium, communiquer dans le public est belé. Donc, il y a trop comme on a tourné européen. Il y a Inosbi, pour accompagner toujours le savoir-faire à Inosbi dans chaque événement. Alors, on se revoit à très bientôt. Ceux qui vous appellent une émission, vous avez toujours j'aime, vous commenter, vous s'abonner. On a s'abonner, vous avez abonnement à Bino. On se revoit très bientôt.